Le DMF Show. Fait dans le fond, To Die For, c'est un label, comme on a enregistré et tout. On est des artistes solo. Young Dev, c'est un artiste solo. Trick, c'est un artiste solo. Mais tellement qu'on a une bonne chimie, qu'on est au studio, on fait des projets ensemble. So, c'est comme si on était un groupe. Vous avez jamais pensé à faire juste le market, like market yourselves as a group? Yeah, ça pourrait faire du sens. Tout le monde nous dit ça. Mm-hmm. Parce qu'ils voient qu'on fait des tracks ensemble, c'est hot. So, ils voient aussi que le chemistry, comme la chimie qu'on a sur le micro, qu'on est sur le même track, ça fait vraiment une autre énergie. Fait que c'est comme si on serait un groupe, mais on est dans un label, le même label. Donc. Mm-hmm. Et maintenant, selon vous, c'est quoi les avantages et désavantages d'être dans un groupe, par exemple? L'avantage, c'est comme si c'est que yo, qu'on est. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à la place de qu'est-ce que tu peux faire tout seul. So, moi, on va dire, si moi, les gens aiment comment je rappe parce que la manière que je rappe, so, y a les gens qui filent comment je rappe qui vont écouter le track, mais il y a les gens qui filent, on va dire, comment Trigg rappe, ils vont écouter le track aussi vu qu'ils aiment comment Trigg rappe. Fait, les deux ensemble, ça va faire que, ok, ouais, ça va faire une magie, comme on dit, so, les gens vont filer. So, ils ont le meilleur des deux mondes dans un style, mais le désavantage, c'est comme si on n'a pas nécessairement le même rythme ou quoi que ce soit dans le studio. Je dis, moi, peut-être que j'ai trouvé un track, je vais dire get. Mais la plupart du temps, on s'entend. Mais comme il y a peut-être un track que je vais dire, ah, yo, ce track-là, je le file plus que lui, il va peut-être moins le file. Puis moi, il y a peut-être un track que tu comprends vice-versa, que tu comprends, moi, j'ai plus file, lui, il va moins le file, ou whatever. So, des fois, il peut y avoir quelques différences à cause de ça. Mais quand t'es solo, tu sais qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Là. Mais quand t'es en groupe, tu dois comme, ok, ouais, ça va prendre, c'est comme son opinion en considération. Yeah. My man Trigg, man, what you gotta say about that, man? Trigg, I've been here, man. My man Trigg in the building, Trigg man. Wesh. Wesh. So, yes. Les avantages, mais comme Yang Dev a pratiquement tout dit aussi, c'est l'avantage, je trouve que ça donne la motivation. Quand lui, il sort un projet, comme ça me donne automatiquement la motivation aussi d'aller écrire un track, retourner au studio, faire un projet, ça booste mon adrénaline. Puis des avantages, pour de vrai. Est-ce que c'est comme Young Dev a dead ce track là? I have to come hard on this track. You know what I mean? Pour de vrai, c'est là que ça rentre encore dans la motivation, mais c'est même pas un désavantage parce que il va dead le track, j'ai comme shit, j'ai donné son projet, j'ai comme shit. Je vais écouter mon vœu, je vais retourner, ça va me rebooster à écrire peut-être un meilleur vœu encore pour la prochaine fois ou quoi que ce soit. C'est comme une compétition, mais pas malsaine. C'est juste pour le mieux, dans le fond.